Mais t'es mignon, toi, hein? Hein, t'es mignon. Bonjour à tous. Sur la dernière quinzaine, il y a eu l'anniversaire de votre serviteur. Du coup, j'ai pas pu vous faire d'impression 3D. Donc aujourd'hui, on va se faire plaisir. Enfin, je vais me faire plaisir à faire du Lego. Parce que j'aime bien les Lego et en plus j'aime bien Jurassic Park, comme vous avez dû le voir en introduction. Donc je vous laisse regarder le montage de cette boîte Lego. Attends, si c'était ton anniversaire, c'était également le mien. Ah non, je vous laisse regarder dans la liste des vidéos que j'ai faites, mais toi, tu es apparu au moment où j'ai fait la vidéo du slider, et je pense que c'est à peu près au moment où j'ai renommé la chaîne, donc je dirais que c'est courant du mois de juin. Ok. Bon, pour les abonnés, n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire à la vidéo de fin juin, du coup.
petite interlude. Si vous ne voulez pas vous faire manger par ce T-Rex, je vous préconise de mettre un like sur cette vidéo et un commentaire. Et idéalement de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi maintenant, je vous aurais prévenu, hein. Ça reste une bête sauvage, je la maîtrise pas complètement. Bon, pour tous ceux qui sont venus sur cette chaîne parce que j'avais monté un meuble, parce que j'avais fait de la peinture sur figurine, parce que j'avais fait des assemblages d'impression 3D, rassurez-vous, la chaîne ne va pas s'appeler les minutes Lego là dans les semaines à venir. Non, c'est juste que je me suis fait plaisir à faire du Lego et donc je voulais vous le montrer. Puis de toute façon, cette boîte-là, concrètement, elle coûte plus cher qu'une imprimante 3D, donc j'aurais pas les moyens de suivre. Hein. Pour mon anniversaire, j'ai modélisé et imprimé ce pot à pique pour l'apéritif avec un modèle ici qui reprend le masque utilisé dans la série Casa de Papel. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto Fusion 360 pour vous montrer comment on peut réaliser ce type de forme et incruster ce type de dessin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai pour vous faire ça.
Dans les vidéos à venir, il y aura probablement à nouveau du Lego, mais cette fois-ci mélangé avec un petit peu d'impression 3D. J'ai un projet qui implique un petit peu d'Arduino. J'ai également quelques peintures sur figurines à réaliser. Bon, j'espère que je vous retrouverai nombreux sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Dit que si vous mettiez pas un like, vous feriez manger. J'en ai marre d'avoir toujours raison.